Vas-y, va, va, va. Combine. Bagdaoui. Félicitations, coach. Coach, c'est une victoire très belle avec une organisation, avec un travail dans le terrain pour les joueurs. Qu'est-ce que tu dis, coach? Je suis vraiment content de la production des joueurs. Ce n'était pas évident parce que tout le monde sait qu'on a suspendu, on a des blessés. Il y a des joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais alhamdoulilah, on a fait avec les joueurs qui étaient là. Ils ont répondu présent. Ils ont montré qu'eux aussi, c'est des joueurs intéressants qui comptent dans le groupe. La production, on a géré le match parce que physiquement, c'était très très dur. Mais tactiquement, dans la conservation du ballon, on a vraiment été très très bien. Coach, il y a des absents beaucoup dans le match, mais il y a les joueurs qui beaucoup donnent sur le terrain. Là, ce qui m'intéresse, c'est de faire du CSC une vraie famille. C'est mon objectif numéro un. Je suis très content pour Bezos, le directeur sportif. Donc je suis content pour tous ceux qui aiment le club, pour les supporters. Maintenant, on pense à Zahlani une fois de plus, à Sarji, à Abou Bouda, à Habib, à Adad. On pense à Lakhdar qui est blessé, et Yaïch qui est suspendu, donc ça fait du bon monde. Et les joueurs qui ont composé le groupe aujourd'hui, je suis très content parce que j'ai pu lancer deux joueurs encore aujourd'hui, Tomine et Bagdaoui, j'ai pu donner encore du temps de jeu. Et je vais continuer comme ça tant que je peux. Par contre, il ne faut pas s'enflammer, la route elle est encore longue, elle est très très longue. Coach, tu as dit beaucoup de choses dans la réunion dans le matin, et tu dis que le CSC c'est une équipe qui joue les premiers rôles avec des joueurs comme ça, on joue, Inch'Allah, des bons moments avec des bonnes compétitions africaines, Inch'Allah. Ce que j'ai dit surtout, c'est que le match du Kaba, c'était un match piège, c'était un match qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Je l'ai dit déjà hier dans la réunion, je l'ai dit avant-hier à l'entraînement, où j'ai demandé à mes joueurs d'être très très concentrés à l'entraînement. J'ai demandé de ne pas prendre cette équipe à la légère, j'ai demandé à mes joueurs de prendre cette équipe comme si c'était une finale de Ligue des Champions ou une demi-finale de Ligue des Champions pour pouvoir se qualifier en finale de Ligue des Champions. C'est le message que j'ai dit. Donc, pour montrer l'importance de ce match qui va nous faire beaucoup de bien au niveau du championnat, on va continuer d'avancer. Mais une fois de plus, peut-être que les gens vont me trouver trop modeste, mais il faut rester humble, garder les pieds sur terre et continuer de travailler très très dur parce qu'on n'est pas sorti d'affaire. Coach, 4-2, 5-2 contre Alizane, 3-0 contre le Kaba. Des résultats très 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 importants pour les joueurs, pour la confiance, pour l'offensive des Iski. Oui, c'est super que les attaquants marquent des buts. Moi, je suis très 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 content pour eux. Aujourd'hui, on a vu une équipe du CSC très disciplinée, organisée sur le plan tactique. Je pense qu'on a été très très bien en place. On avait vraiment très très bien étudié le jeu du Kaba, et on savait, on connaissait leurs points forts, on connaissait leurs points faibles, mais on savait que ce match allait être très très difficile à gérer, parce que pour le Kaba c'est à domicile une possibilité de remonter, voilà, pour peut-être avoir un déclic et croire encore aux chances de maintien. Donc c'était vraiment un match piège, on l'a vu contre le MCO, la belle prestation du Kaba là-bas, mais nous, en tout cas moi en tant que coach, je ne voulais pas tomber dans un match piège. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté sur la détermination, la concentration et l'importance de ce match. Coach, tous les commentaires qui sont de la page est très content pour le travail de coach, le travail des joueurs et ce sur le terrain. Qu'est-ce que tu dis pour les supporters de CSC? Une fois de plus, je vais répéter ce que je dis souvent sur les joueurs. Les supporters, ils sont à l'extérieur, on fait des matchs à huis clos. Mais les supporters, ils ne peuvent pas imaginer à quel point les joueurs travaillent à l'entraînement, sont disciplinés, sont respectueux, affichent un très très bon état d'esprit. Voilà, on est tous conscients de la tâche qui nous attend. Donc, je suis aujourd'hui très content pour les supporters, évidemment, parce qu'on arrive tout doucement à redonner un peu de sourire aux supporters du CSC, ils sont nombreux. Mais je n'oublie pas la fierté d'un entraîneur de voir ses joueurs mouiller le maillot, se battre, rien lâcher pendant 90 minutes plus les arrêts de jeu.
Donc c'est juste magnifique. Et il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et quand il va y avoir des bas, c'est là où les supporters ont un rôle très très important. Et je sais qu'ils aiment leur club, et je sais qu'ils aiment leurs joueurs. Donc voilà, on aura vraiment, vraiment besoin d'eux. Merci, coach. Avec plaisir.